nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui avec un magnifique temps. Et vous pouvez voir à l'image déjà Monsieur Graton, le numéro 10 de cette équipe de Soragout, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Après le sifflet, le coup de sifflet de Monsieur Evan Urusmandi. Et c'est parti. Donc Lilan Dodon qui avait gagné son dernier match le 26 mai 20-16 pour pouvoir prétendre aujourd'hui. À côté. Ça va être fort. Ça va être trop court. Et ça va être aplati pour un rameau 22 mètres. Allez, Graton qui attend le ballon pour pouvoir taper. Allez, je vous donne un petit coup la composition de Soragout. On en profite. Alors, empilé, Asseline Julien, le talonneur, Christol Clamand, Escan Michael, Jousseran Benjamin, Antoine Dominique Thomas, le brasseur Brice, Burdalski Jackie, qui est le capitaine, Besombe Jean. La charnière, c'est Fabiani en demi-mêlée. Graton Mathieu qui tente la pénalité en 10. À l'aile, Barthélémy Alex. Ensuite au centre, Delpide Damien. Escalano Jonathan. De à l'autre aile, Nazarenko Clément. Et à l'arrière, Santanac Hugo. Allez, on regarde la belle. Est-ce que ça va passer? Et ça va passer. Allez, ça va goûter. Ouverture du score. Par Soragout et notamment par le numéro 10, Graton Mathieu, qu'on avait eu l'occasion d'interviewer après le match qu'on était allé filmer à Soragout justement contre Juillan. 10, Scott Bruno, numéro 11, Sarniguet Thomas, numéro 12, Mallette Romain, numéro 13, Arieux Sébastien, numéro 14, Daran Alexandre, numéro 15, Soulé Thibault. Et ça voilà, va passer un peu les perches pour Graton de nouveau. Allez, alors, Soragout. Numéro 16, Bol Christophe, dit titre. Allez, donc pénalité, on est à la 11e minute de jeu. Pénalité pour donc, sort. Pénalité par le numéro, si je vais bien voir son numéro. Moi, je ne vois pas. Le numéro 10 peut-être, me semble-t-il. Hein. Ouais, c'est ça. Numéro 14. Numéro 14. Elle passe entre les poteaux. Avec Asseline Julien. Avec Graton qui retransmet au centre. On a raté la course avec le centre, le numéro 12. Ça percute. Allez, on ouvre. Delpi Damien. Allez, Graton qui essaye de se faire la balle. Mais non, il est repris. On se fait coffrer dans les 22 mètres. Le ballon toujours à l'initiative de jeu des Blancs. Allez, petit côté, oui, attention le long de la ligne. Essai pour Soragout. Le long de la touche, il a filé. Essai pour Soragout à la 19e minute de jeu. On a essayé du côté de Soragout. La première excursion. N'a pas été fructueuse sur le lancer, mais on s'est rattrapé de suite derrière. Côté allez, la transformation qui va passer. Oui, elle passe. Allez, 20e minute de jeu. Allez, Soragout 13 à 3. Allez, Soragout qui quand même tient le ballon dans ces premières minutes. Hein. Et Jean-Marie qui nous chambre toujours avec le ralenti. Mais monsieur Thomas Nsalem n'a pas encore ça dans sa botte secrète. Entrée le numéro 18, Tourou Victor. Le frangin. Allez, bien capté. On s'organise du côté de l'île en Dodon. Ouais, on essaye de le remporter. Allez, et ça avance. On s'est mis à la faute du côté Soragout, on prend l'avantage en cours. Le bras tendu par monsieur l'arbitre. Allez, carte ce ballon. Attention. Même main, on donne ce ballon. Toujours le ballon du côté de Lille. Numéro 13 qui rate. Oui, ballon. Oh là là. En arrière. On est sur la ligne. Et essai. Ouais, essai. Et c'est accordé. Essai. Apparemment l'arbitre touche a appelé l'arbitre du centre, donc peut-être il n'aurait pas essayé. Il a signalé quelque chose, donc on va voir. De toute façon, juste avant, il y avait un en avant qui pourrait être considéré comme un en avant volontaire de Soragout. Donc même s'il n'accorde pas forcément cet essai, ça pourrait amener un essai de pénalité peut-être même. Parce que, Je pense pas, et apparemment il appelle les deux capitaines, donc on va voir. Ce qui est ce qu'il en est.
Et quoi qu'il en soit, l'arbitre avait levé son bras. Il y a un carton jaune, voilà, un carton jaune du côté de Saragout. Et on va revenir à droite. Et c'est de pénalité, c'est ce que je te disais. Voilà. Et c'est de pénalité. Oui, carton jaune. Et carton jaune. Carton jaune pour le joueur de Saragout. Voilà, qui se fait un peu chanter, vous l'avez compris. Allez, au centre, ouais, on s'organise. Le 13, le 12, 14, le 14, le 9, peut-être le 14 qui a marqué l'essai tout à l'heure. Non, je pense qu'il est là-bas. Ah, attention, l'arbitre a arrêté, je pense. Le 12, le 9. L'arbitre touche à signaler une faute. À l'arbitre. Voilà, allez. Donc c'est pas le numéro 9. Hein. Donc non. C'est pas le numéro 9. On va essayer de regarder. On voit les numéros. Le score qui est passé donc du coup tout à l'heure avec l'essai des pénalités pour Lille Andodon. Le score qui est passé au moment où on vous parle, 24e minute, 25e minute de jeu. Le score qui est passé de 13 à 10. 13 pour Saragout, 10 Lille Andodon. Et voilà, ça va être le numéro 11. Barthélémy, Alex. Le numéro 11. Allez, ça va être qui se retrouve à 13. Hein. Allez, Fabiani. Pléchant. Pléchant. Attention, le plaquage. Derrière, l'arbitre considère qu'un petit arrière. Alors, chaque regroupement, c'est un peu chaud, hein, on le sent. Allez, pénalité pour... pénalité. On est venu perdre les appuis, là. Ah, ça s'échauffe. Ah, ça s'échauffe. C'est parti, là, c'est fort. C'est pour le palage. Comme dirait notre ami. On sent que c'est chaud sur chaque regroupement. Et le capitaine Emileski de Saragout. Contre Lille donc. Allez, Daran Alexandre, on est presque à l'issue de cette première période, à la fin de cette première moitié de temps de cette rencontre, ce quart de finale, on le dit, hein, on le rappelle, le quart de finale du championnat de France. Il a complètement dévissé son coup de pied qui était dans ses corps. Elle était importante celle-là, ouais, elle était importante. Juste avant la mi-temps de revenir au score, pick and go. Mais la défense. Graton. Allez, Graton sur le centre. Oui. Numéro 12. Ouh. Numéro 12, ça fait. Grosse percussion. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il fait des grosses percussions. De Delpy Damien là. Physiquement, alors. En avant. En avant. En avantage. Mais pour son route. Le bras tendu. Voilà, il a regardé la montre. On essayera encore des pick and go. Des pick and go. Elle est hors jeu. Ouais, position hors jeu. Pénalité. Pénalité. Pour ça. Pénalité. Pour Sora. Voilà. Je pense qu'on va prendre les points du côté de Saragout parce que j'ai vu que l'arbitre a regardé la montre, donc je pense qu'on va. Après, faut-il savoir où ça en est au niveau du score. Ouais, je pense Je pense que Mathieu. Mathieu montre les poteaux et l'arbitre fait de même. Allez, Graton. Qui c'est là? Mathieu va prendre les points, ou du moins tenter. Parce que c'est dans le jargon rugbystique. On a cet effectif, on le dit, Saragout, hein, on a des frères de joueurs.
un peu célèbres, hein, Vialel, Cavalero, Imar. C'est des noms qu'on connaît, ça. Ah ouais, nous, c'est des noms qu'on connaît, ouais. Qui nous parle ? Qui nous parle ? Et puis bon, Soragout, hein, voilà, aussi, Florian Vialel est sorti de là, Camille Imar. Ah, beaucoup de joueurs qui sont passés par Soragout. Qui passent par Soragout. Une bonne école de rugby. Ouais, une très très belle école de allez, rugby. Allez, Graton. Ah, le poteau. On l'a récupéré. On s'est récupéré. Récupéré par le 21 Paul Dimitri, qui était rentré en jeu. Allez, le ballon continue du côté de Soragout. Décidément, à Radio Olympique, on a des poteaux. Je pense que Thomas ne me contredira pas. Allez, toujours on s'organise, petit côté, dommage, ballon derrière. L'arbitre considère qu'il est derrière. Allez, toujours. Ballon gardé par Soragout. On va essayer pick and go. Allez, on est dans les 22 de Lille en Odon. Allez, le 4. Aidé, Joussera. Aidé par Gendro. Allez, Burdelski. Le ballon par le capitaine. Allez, sur le pilier, 17. Babin, Olivier. Allez, on s'organise pour un mot, apparemment. Ouais. On essaie d'avancer. Allez, attention, on avance. Hein. Ça avance toujours. Attention, le 5. Voilà, il s'est mis à la faute. Allez, on va attendre un peu sur l'arbitre, là, pour un avantage pour Soragout. Le ballon qui va être écarté, lancé, Graton. Allez, oui. Le 13, le 14. Le 14, le 15, tu donnes à l'autre. Oui, il l'a vu. Il l'a vu. Un dommage. Un crochet. Il va y aller. Le crochet, magnifique, le crochet de Soragout. Deuxième essai. Deuxième essai. De Soragout. Magnifique crochet. C'est le numéro 21. Paul Dimitri. Paul Dimitri qui a marqué l'essai. Paul Dimitri. Et ça passe, hein. Et ça passe. Et ça passe, 23-10, 23-10, 42e minute de jeu. Et l'autre côté. Et ça va y aller peut-être. Non. Mais non, il se fait croquer à 5 mètres de la ligne. Il se fait reprendre. Attention. Non, on est croqué à 1 mètre de la ligne. Le numéro 4 qui était venu. Monsieur Gilbert. Il accorde l'essai. Non, non. Il va demander, je pense, à l'arbitre touche. On va demander la vidéo. Non, non. Donc. Alors, la vidéo. On va demander à l'arbitre de touche. il va aller consulter sur l'arbitre de touche pour voir s'il y a essai ou pas essai. Et il accorde l'essai. Allez, ouais, essai. Essai à la 64e minute de jeu. Et un score qui passe à 23-15. Et la transformation par le numéro 14, peut-être, monsieur Daran, Alexandre. Alors ? C'est le 9 ? Ah, elle n'a pas été transformée, donc on en reste à toujours 23-15 pour Soragout. Allez, Graton. Il peut donner encore plus le large à son équipe. Ouais, sachant que. Sur sa pénalité. Parce qu'on a plus 8 points d'avance et ça ferait 11 s'il la transforme. Et elle est tendue. Elle est tendue. Et après, ça passe. Ça passe. 74e minute de jeu. Et le score qui passe 26-15. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Ah oui, là franchement, ça a joué. Ça a joué beaucoup là. Les conditions climatiques aussi un petit peu. Donc, allez, on garde le ballon. Attention, la touche. Graton. Allez, boum. Allez, grosse montée défensive. Montée défensive de Lille. Ça accroche, hein. Allez, ballon toujours conservé par Soragout. Voilà, on essaie de s'organiser. On garde le ballon intelligemment côté Soragout. Je pense qu'on va essayer de faire on joue un petit peu l'expérience. C'est l'expérience. Voilà. Voilà. Alors là, il y a eu des mouvements. Allez, ça part. Je pense qu'ils sont partis et on n'a pas vu, nous. Parce qu'on est sur la touche, on ne voit pas du tout ce qui s'est passé. Mais il y a des gifles qui sont partis, ça c'est sûr. Voilà, et ça. Et c'est parti. La soupe à la phalange. Ça se chamaille. Ça se chamaille. On n'a pas trop vu, nous, parce qu'on est sur la ligne de touche, donc on n'a pas trop vu. Donc l'arbitre de touche a vu, lui, il va dire. Ah, ça chauffe. Vous l'avez entendu, ça chauffe. Aussi au niveau des supporters. Voilà,
Donc on va voir, Mitre touche. Voilà, et ça s'explique aussi dans les tribunes. Ça s'explique dans les tribunes. Ah oui, ça s'explique dans les tribunes. Attention, les tribunes, ça s'explique. Faut pas que ça devienne n'importe quoi. Faut arrêter, faut arrêter. C'est qu'un match, tranquille les gars. Tranquille. Vous en voulez pas, c'est tranquille. C'est vraiment pas l'image qu'on a envie de montrer aux enfants. C'est pas du tout ça. On a les supporters qui s'enflamment. Le jeu est arrêté. On attend la décision de l'arbitrage. Mais c'est idiot. C'est dommage parce que c'était bien reparti. Il y a de l'enjeu, mais bon. C'est dommage de voir ces images-là. Parce que sur une échauffourée. Je pense qu'on on va avoir un carton de chaque côté, moi, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Ou alors ça. De toute façon, quand il se passe quelque chose dans les... sur le terrain, ça peut occasionner des chamailleries dans le. Mais bon, la sécurité est montée dans les gradins. Ouais, c'est au niveau des supporters comme ça. Parce qu'au niveau des joueurs, ça s'est stabilisé. C'est bon, l'arbitre les a appelés. À mon avis, il va mettre un carton de chaque côté. Il va y avoir un carton voilà, de chaque côté. Ça va calmer tout le monde. Mais c'est au niveau des supporters que ça s'est enflammé un petit peu. Malheureusement, c'est pas les images que j'aime voir, moi, de mon côté. Parce que juste marque à présent, c'était bon enfant. Voilà, donc un carton, voilà. Et rouge. Voilà. Et jaune. Et voilà. Un carton jaune de chaque côté. Ouais. Et carton comme, rouge. Hein. Et carton comme, rouge. Oui, mais comme Barthélémy avait pris le carton jaune, pas Barthélémy. Si c'est Barthélémy, il avait pris un jaune tout à l'heure. Ça fait rouge malheureusement. Eh oui. Voilà. Truc, on la joue vite du côté de l'Ilandodon. Avec 14 attention, il y a une supériorité. Ah, il oublie ses collègues à côté, il a oublié ses collègues à côté, eh ouais. Dit. Ah. Allez, attention, toujours ballon conservé par l'Ilandodon. On est sur la ligne des 7 mètres. Ah, on tente. Allez, attention, c'est ballon, il faut les assurer. Allez, le 15. Avec ouais. Kirafute. Kirafute, mais qui se fait bien reprendre par la défense. Ouais, beau contest, attention. Mais le ballon toujours, toujours bleu. Allez. Oula, il est rentré, 5 mètres à la ligne. Allez, le ballon en avant. Ah, le ballon. Et on en avant, voilà, au contact. Je pense que ça va être le ballon de la gagne, moi je dis. Eh oui, c'est le ballon de la gagne. C'est fini. Allez, Sarah Lou, qui va jouer les demi-finales. Qui s'impose 26 à 15. Et si on pouvait avoir Stéphanie, le résultat de la réserve. Pouvoir s'y seront 16 à 14 si Stéphanie nous. 16 à 14. Et nous dire si c'est la fin. Oui. Oui. 26 à 15. Et donc, le score qui sera de 26 à 15. Victoire de Sorragut qui va gagner son billet pour les demi-finales. Les demi-finales.